Salut tout le monde, bienvenue à Selhurst Park dans la banlieue sud de Londres. Et pour commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. En direct dans quelques instants, une rencontre de la première ligue anglaise, Crystal Palace face à Leicester. Qu'est-ce que vous avez réservé ce match? Un peu de spectacle, on l'espère. La composition de Crystal Palace. Le dispositif est un 4-3-3 avec deux ailiers a priori. On découvre ensemble la composition de l'équipe de Leicester City. L'équipe qui va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. C'est contré. Il poursuit son action personnelle. Oh, quel gâchis! Mais quel gâchis! Presque seul face au but. Ça manquait vraiment de finesse. Andersen. Joel Ward. Et Vardy, attention! Oh, quelle occasion! Quelle occasion! On était tout près de l'ouverture du score! Oh là, situation pas facile là pour lui. Joel Ward. Chercher une ouverture, bien sûr. Wilfried Didi. Demi Vardy. Yuri Tillmans. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Bien défendu, le ballon qui sort en touche. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Le centre qui file vers le second poteau. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ah non, le ballon est perdu. Oh, c'est le marque, ils vont passer devant, attention. Oh, quelle occasion c'était. Quelle occasion c'était, ça aurait un petit peu débloqué la situation. Jones. Oui, Yuri Tillmans à la récupération. Bien joué. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Il remporte son duel. Ah ouais, bien défendu. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Harvey Barnes. Allez, après tout, pourquoi pas. Ouais, la frappe de loin.
C'est magnifiquement détendu là-dessus. Un corner joué en deux temps. Il essaye de trouver la faille. Allez, il peut y aller. Ouais, le bon tacle. Geoffrey Schlupp. J'essaie de mettre Teke. Ah, la passe était dangereuse, mais la défense s'est montrée vigilante. Pas de problème, la possession du ballon est à l'avantage de l'équipe visiteuse. Sur le dernier quart d'heure en tout cas, ce sera peut-être le moment d'en profiter avec un peu de lucidité dans la zone offensive. Ce serait possible de marquer. Allez, il continue. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Jamie Vardy. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, magnifique, le duel gagné. Super réflexe dans les buts. Allez, petite combinaison sur ce corner. Yuri Tielemans. Le centre en retrait. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Allez, il est passé par-dessus. Il avance encore contre ce ballon. Ah, il est bien parti ce corner. Mauvaise relance. Wilfried Zaha. Allez, boum, au moins ça débarrasse. Oh, il est passé, l'action continue. Oh, l'ouverture du score, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas, cette équipe qui n'avait pas été dangereuse et qui marque. C'est complètement contre le cours du jeu, mais c'est comme ça. On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait, toute la défense prise à revers. Et ensuite, c'est moyennement joué, hein, quand même, c'est même carrément raté, mais c'est ce qui trompe le gardien. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Je crois qu'on a eu un but au London Stadium. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de West Ham. Un but de Nikola Vlasic, suite à ce qu'il faut bien appeler une erreur défensive. Un but à zéro donc, alors qu'on joue ici depuis 39 minutes, Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire ? Ouais, position de hors-jeu finalement, signalée par l'arbitre. Wilfried Didi. Jimmy Vardy. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Jimmy Vardy. Et le gardien qui est sur ce ballon. Timothy Castagne. La mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Il poursuit son action personnelle.
Vardy, Vardy, attention. Oh, quelle occasion, quelle occasion. On était tout près de l'ouverture du score. Oh, c'est une marque. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, il est bien placé pour centrer. Yuri Tielemans. Non, ça ne passe pas, l'attaque est stoppée. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. EA Sports vous proposera de la première ligue anglaise à l'occasion de cette rencontre. Crystal Palace affrontera Arsenal à l'extérieur. Je suis sûr que vous êtes comme moi. Vous avez hâte de voir ce match. Poursuit son action personnelle. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. La tête, elle ne s'est pas cadrée du tout. Luka Milivojevic. Geoffrey Schlupp. Andersen. Joel Ward. Axel Zagadou. Geoffrey Schlupp. Luka Milivojevic. Dan Axel Zagadou. Geoffrey Schlupp. On a atteint l'heure de jeu. Vous noterez le rendez-vous de tout à l'heure. Vous serez nombreux certainement à le suivre. Quelque chose me dit qu'on devrait se régaler avec cette affiche. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. À force de reculer et en finir par perdre un ballon dans une zone dangereuse. Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ayos Pérez. Ça, ça peut devenir dangereux. Et ça revient dans l'axe. Ayos Pérez. Oh, ça tape la barre et ça rentre. Non, on voit les images de la contre-attaque. Le gardien qui est devancé au premier poteau. Ah, c'était quand même un but évitable. Hein. Allez, tout est à refaire, un but partout. Il est en train de remonter le terrain. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Yuri Tielemans.
avec Vardy. Et Fred Didi. Un rebound. Ryan Bertrand. Ouais, le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Ballon bien négocié par le gardien. Ah, le ballon qui sort et nouveau corner donc. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ah ouais, super, mais il file au but. Oh, c'est pas fini, attention. Et le but, oh, le but de Christian Benteke. On voit le but au ralenti. La bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière et il peut rien faire sur le deuxième ballon. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Yuri Tillmans. Ayos Perez. Jimmy Vardy. Jimmy Vardy. Toujours Vardy qui avance. Jimmy Vardy. Allez, il peut s'échapper là. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Corner joué en deux temps. Le ballon qui est sorti. Sortie de but. Un changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. L'équipe qui s'accroche à son but d'avance. Ce score de 2 buts à 1 qui ferait tout son bonheur. Mais il faut rester prudent, rien n'est fait. Christian Benteke. Un vilain passe directement à l'adversaire. On va peut-être assister à une contre-attaque. Plus beaucoup de temps pour égaliser, il faut y aller. Un centre à la destination de ses partenaires. Ah ouais, début au tir sur le poteau. Oh, le but! Plus personne n'y croyait, mais il marque. Ouais, pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Deux partout entre les deux clubs, c'est vraiment serré. Allez, ils attaquent, c'est le match hein, qui se joue. Allez, il faut centrer. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement du gardien. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais, il a sauvé son camp hein, sur cette action. Ce ballon qui est dégagé.